Zen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, il est question de défis, de débris de la tempête. Donc cette quatrième semaine va nous emmener encore une fois 4 défis. Qu'est-ce que je raconte 7 défis quotidiens. Donc le premier étant aujourd'hui, donc jeudi 15h, le 22 août 2019, où il faudra consommer des objets instables. Alors les objets instables se trouvent maintenant dans l'ancien stade qui a explosé suite à une mauvaise préparation de la balise qui prépare normalement les failles, comme les failles de Tilted et de Megamall devenu Retail Row. Et ensuite, donc il faut vous approcher de ce stade et vous allez avoir des objets instables. Alors quand je dis objets instables, pourquoi ils sont instables? Puisque regardez, les objets changent de forme et de couleur. Là, c'est des champignons. Pardon, et ensuite ils vont changer et ils vont devenir d'autres objets. Normalement, si tout se passe bien, regardez, hop, ça passe en objet comme ceci. Et donc là, c'est devenu un piment au lieu d'un champignon. Là, ça devient une tomate et je peux pas la consommer puisque du coup je suis déjà full vie. Mais vous allez devoir consommer 5 objets instables dans une partie ou comme vous le pouvez, donc dans différentes parties. Là, regardez, j'ai consommé une faille, comment dire, un piment et une noix de coco. Mais vous allez avoir d'autres objets, regardez là il y a encore une autre faille. Il suffit d'en consommer 5, donc de vous rendre comme je vous ai dit ici au stade et de les trouver avant tout le monde puisque tout le monde va vouloir les consommer également. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre ce que c'est les objets instables. Et bien sûr n'oubliez pas le like, l'abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné et de mettre le code créateur Telmo-Lopez. Le plus important comme d'hab c'est de rester zen, je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!